Bon, du coup, les gars, là, on est à Lisbonne. Premier voyage à un amoureux, à l'étranger. On est arrivé dimanche, en fait, au Airbnb. Donc, on était un peu fatigués et tout. Donc, on n'a pas trop regardé l'état du truc. Enfin, on se sent pas trop à l'aise ou, je sais pas, ça nous met pas bien. Je vais vous montrer un peu l'état des fenêtres. Il y a aussi ça, les rideaux. On peut pas fermer les rideaux. C'est à la main quand tu tires, mais en fait, ça se ferme pas. Ouais. Tu as renversé ton cendrier dessus, quoi. Là aussi. Ah là là, là aussi. Pourquoi je suis dans les chutes? Tu vois, quand je suis arrivée, il y avait ça. C'est toujours pas enlevé, ça m'égoûte un peu. Je sais pas à qui c'est, à qui ça appartient. Alors là, tu veux un petit café? Un peu de pain de mie, s'il vous plaît. Et du coup, la situation est que on a prévenu le propriétaire en disant, comme je vous ai dit, qu'il y avait de l'humidité. C'est un peu difficile de ne pas voir ça. Elle dit, ah bon, j'étais pas au courant. Bon, déjà, c'est un peu difficile d'accepter. Après, elle nous dit, ah non, c'est de la condensation. Et bizarrement, on dit, malheureusement, non, c'est pas de la condensation. Ça fait quand même, je pense, depuis plusieurs jours, mois, semaines, que ça y est. Et que ça commence à noircir, quoi, même sur les plinthes, etc., partout. Et qu'on se sent pas trop bien de rester ici. Surtout que, on a regardé un peu sur internet et effectivement, c'est la condensation qui est restée et qui a fait de la moisissure. Et là, ce qu'on voit, c'est des champignons, clairement. Et ça nous pique à la gorge, en fait. C'est très agréable. Et c'est pourquoi on lui a dit, on se sent pas très bien, malheureusement. Enfin, voilà quoi. Bizarrement, plus de réponse de sa part. Du coup, on a contacté Airbnb pour leur dire que on se sentait mal, qu'on a montré des photos. Donc le gars, en express, il a envoyé le dossier sur Paris. Elle nous a rappelé peut-être une heure après. On a dû refaire des photos pour dire qu'on était bien dans le même appartement. Et là, normalement, avant 14h, elle a dit « Je reviens vers vous avec une solution. » 14h heure française. Heure française, donc 13h chez nous. A few moments later. Vivi, elle nous a plus rien dit à partir du message qu'on lui a dit, que c'était de la moisissure, qu'on voulait pas rester. Elle nous a rien dit. Du coup, comme je vous ai dit, on a contacté Airbnb. Airbnb ont été très carrés et assez réactifs. Donc, ils nous ont remboursé la totalité de ce qu'on a payé. Et ils nous ont remboursé aussi la nuit qu'on a passée à l'intérieur. Du coup, ils nous proposaient des choses, mais en fait, ça correspondait pas trop parce que c'était soit encore plus petit que où on était. Et comme Antoine, il est en télétravail, il avait besoin d'un bureau, etc. Et on aimerait une chambre aussi séparée. Donc, c'était difficile. En plus, moi, je regardais de mon côté parce qu'il y avait des appartements qui avaient l'air bien. Mais quand je voyais les notes, c'était 3, et quelques. En fait, il restait qu'un peu le fond du panier. Ou sinon, c'était... 100 balles quoi, 100 balles la nuit, on n'a pas trop le budget. Je vais pouvoir vous le présenter. Il est beaucoup plus beau que celui qu'on a eu avant, un petit peu plus cher. La vue en face est trop belle, je sais pas, je trouve ça bien plus beau, bien plus propre et on s'y sent mieux. Déjà, on n'a plus la gorge qui gratte. On va commencer par l'entrée. Bon, c'est l'entrée. Déjà, la porte était un peu difficile à ouvrir, mais c'est pas grave, au moins on sait qu'on se fera pas cambrioler. On a encore nos affaires parce qu'on n'était pas encore débarrassé. Ça, c'est le salon. En fait, il est vachement grand cet appartement, mais c'était le mieux qualité-prix qu'on ait pu trouver. Il est même plus grand que le nôtre. Voilà, c'est vrai qu'il est plus grand que le nôtre. Antoine, dis coucou à la caméra. Ah, le beau gosse, il fait de la muscu. Là, on voit mieux. C'est trop beau, ce qu'on l'a vu. Trop beau, trop beau. Bon. Là, vous voyez, c'est de la peinture qui s'écaille. Après, franchement, on s'en fout là. On en a eu marre de changer déjà d'appartement. On n'est plus à ça près. Donc là, voilà, tranquille. Il y a une première chambre, alors bien évidemment, on va pas l'utiliser. Ensuite, on passe le petit couloir. Il y a une première salle de bain. Et la chambre. Donc là, il y a les placards, etc. Il n'y a pas de fenêtre dans la chambre, ça ne vous dérange pas trop. En soi.
Donc les toilettes, hein, je remonte. Voilà. Après que Antoine ait fini de travailler 16 heures hors portugaise, nous sommes partis visiter Lisbonne après ces moult péripéties. On a surtout vu les vieux trams de la ligne 28 sur la petite place où on habitait juste à côté. Et on est sorti seulement pour acheter des donuts parce qu'en fait on voulait une petite pâtisserie. On en avait marre de cette journée, on voulait un truc qui soit réconfortant. C'est pour ça qu'on allait à Scoop and Dove. Et ensuite on est rentré en passant par les grandes allées. On a fait nos courses au Maillot Champ parce qu'on a beaucoup sur Lisbonne. D'ailleurs des produits français, donc n'hésitez pas à y aller. Et même si on était à Lisbonne, on voulait toujours un peu manger sainement. Donc on a pris du poulet, du riz noir, des oignons. Et je dis sainement, mais on a quand même fini par notre petit dessert, nos donuts. Donc moi j'ai pris Caramel Apple et il y avait aussi Chocolate Tarte. Ils sont pas très gras, même si de visuel ils ont l'air. Mais en tout cas, je trouve qu'ils étaient très bons et meilleurs que Machu Café si vous êtes sur Nantes. Pour le deuxième jour, on est parti visiter cette fois-ci Lisbonne, en son entièreté. On s'est laissé un peu porter par les grandes places, les grandes rues, on ne savait pas trop où aller, donc on a marché tout droit et on est allé jusqu'à l'Arc des Triomphes. Donc une jolie belle place avec cette couleur jaune, j'adore, qui est juste en face du Taj ou du Tag, je ne sais pas comment on dit. Et on s'est promené tout au long de l'eau, c'était super agréable, à part les mecs qui te proposent du hashish toutes les 30 secondes. Ensuite, on est allé manger notre premier pastel de nata. C'était le numéro 1 sur TripAdvisor, donc on est allé juste manger celui-ci et je le trouvais très bon, donc je vous le conseille, surtout ceux qui sont fans de cannelle, c'est vraiment très bon. Si vous n'aimez pas la cannelle, je vous le déconseille. Ensuite, on a continué notre petite promenade sur les trottoirs super étroits de Lisbonne où se mélangent les trams, les voitures, où à tout moment tu peux te faire faucher, très agréable. Et on a croisé le funiculaire. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter du billet pour le funiculaire puisque vous pouvez faire la montée ou la descente, peu importe, assez facilement, hein. Surtout que les billets, alors je sais pas combien coûte le billet, mais les billets de tram sont très chers, ils sont à 3€, je trouve ça cher, surtout que tu dois les payer seulement dans le tram, sur une borne qui ne prend pas la carte, qui prend que les espèces, mais tu ne peux pas mettre plusieurs billets, et tu ne peux pas mettre de billets de 1€ par exemple, en fait, c'est chiant à mort. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le métro ou le bus, sont vraiment moins chers pour vous déplacer. Notre promenade se continue sur les belvédères puisqu'il y en a plein à Lisbonne. Celui-là était vraiment très joli puisqu'il faisait super beau, on voyait même le château, au loin on voyait l'eau et l'espèce d'église, donc c'était vraiment très très joli et très agréable. Le troisième jour, on voulait visiter l'espèce d'église que vous avez vue juste avant. Sauf que c'était payant de 1 et on arrivait 15 minutes avant la fermeture. On s'est dit, bon, pour une église, voilà. Hein. On l'a vu de l'extérieur, c'était déjà très très joli. C'est un mec qui l'improvise, on dirait. On a visité du coup l'Alfama qui est le vieux quartier historique de Lisbonne. Je trouvais ça très joli puisqu'il y a les vieilles faïences qu'on aime sur Lisbonne. De nombreuses maisons qui avaient de la couleur. J'adore en fait voir des murs de couleur, c'est trop trop cool. Et on est aussi allé manger une petite pastel de nata chez une petite vieille qui tenait une petite pâtisserie. Elle faisait aussi des pastels de l'Alfama. Et c'était vraiment très très bon, on est allé les manger au bord de l'eau. Alors les pastels de l'Alfama, c'est avec de la confiture d'agrumes à l'intérieur, je trouve ça très très bon. Et pas trop sucré, donc vraiment délicieux, je vous conseille. On a fait nos courses comme d'habitude, d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait un grand rayon sur les gelées au Portugal, je ne sais pas pourquoi, comme si au Portugal tout le monde aimait la gelée. J'en profite pour vous dire que c'est la fin de la vidéo,
Mais rassurez-vous, il y aura une deuxième vidéo où là, je vous raconterai un peu plus les 3 jours qu'on a passé à vraiment visiter Lisbonne et même Sintra. Donc, restez attentifs sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rigoler. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ma vidéo. Venez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que je suis très présente dessus. Moi, je vous fais des gros gros bisous et merci d'avoir entendu mon retour sur YouTube. Bref, moi je vous dis salut.